Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Jérémie. Nul ne peut se faire sans ta volonté, Seigneur. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Seigneur, nous souffrons. Nous souffrons, Seigneur, par rapport à ce qui nous arrive dans nos familles, dans nos cœurs, dans nos souffrances, Seigneur. Nous souffrons par rapport à nos vies. Qui a perdu sa femme, Seigneur. Tu as dit dans ta parole un homme qui t'a rendu sa famille, famille. Rostel, sa femme l'a quitté. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Quelle souffrance. Rostel. Thank you.
Ouais, voilà, donc ça c'est l'artiste du peuple Dine Sergent, la famille de Nzenga Mamadine. Donc, c'est le patron. Donc, Awatozana veillé à Motonanga Roskel. Donc, fallait m'assurer ça. Donc, après ce mot, il y a une famille dans la famille de Nzenga Mamadine. Donc, on a un petit à Poto. Merci. Nous sommes. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur notre Dieu, nous te disons grand merci parce que tu nous aimes. Seigneur notre Dieu, nous sommes inconsolables maintenant. Viens nous consoler. Nous voulons te confier cette famille. Seigneur notre Dieu, tu connais chacun de nous. À cette heure décisive, Seigneur notre Dieu, nous voulons nous abandonner à toi. Béni sois-tu, tendre maître. Amen. Nous allons lire le texte de Jean, au chapitre 14, du verset 1 au verset 6. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je veux vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Sanctifie-nous par ta vérité, car ta parole est vérité. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, du chapitre 11 jusqu'au chapitre 17, ce sont les dernières paroles de Jésus auprès de ses disciples. Le chapitre que nous venons de lire nous montre aussi que Jésus est devant ses disciples. C'est comme un chef de famille qui réunit toute sa famille et qui laisse des consignes. Jésus le fait aussi aux disciples. Et il savait qu'il devait mourir. Mais comment le dire aux disciples? Et déjà le premier verset nous dit, avant de leur dire ce qu'il pouvait leur dire, il dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Quand il annonce aux disciples que je vais mourir, les disciples se sont posés les questions pour dire, qu'est-ce que nous allons devenir avec tout ce que tu as fait avec nous, avec tout ce que nous avons vu, qu'est-ce qu'on va devenir? Il nous dit, je vais vous préparer une place. Et ça, c'est très important dans la vie de chaque chrétien. Pour ceux qui témoignent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sachons-le que Jésus est allé nous préparer une place. Jésus est allé préparer la place de notre maman, de notre épouse, de notre tante,
qu'il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Dans la maison de mon Père. Et ici, je voulais bien dire à chacun de nous que ces demeures-là est réservée aux enfants de Dieu. Pas aux hommes de Dieu. Pas à la créature de Dieu. Mais aux enfants de Dieu. Ceux-là qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ceux-là qui témoignent Jésus-Christ. Ceux-là qui ont la crainte de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, cette parole nous interpelle. Ce soir, cette parole veut nous dire que le dernier jour, j'irai au ciel. Le ciel existe, l'enfer aussi existe. Le ciel a été réservé à tous ceux-là qui croient au Seigneur Jésus. Est réservé à Judas et ses anges. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est le chemin. Il est la vie. Quand tu es en Jésus-Christ, tu vis. Et nous savons bien, bien-aimés dans le Seigneur, que or, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Beaucoup aussi se disent, je suis chrétien. Mais dans la pratique, dans le comportement, dans la façon de faire, dans leur marche avec Jésus, ils ne reflètent pas la vie de Jésus en eux. L'apôtre Paul le dit dans Galates chapitre 2 au verset 20. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ma vie appartient à Dieu. Et Jésus le dit aussi. Si nous mourons, nous mourons avec lui. Si nous vivons, nous vivons avec lui. Dans l'épître de Romains, au chapitre 14, au verset 8. Oui. Je le dis chaque fois. Et quand je suis en face de mes frères et sœurs, partis du Congo, Cameroun, partout, et venir en France comme des missionnaires, comme des gagneurs d'âme. Et je le dis toujours, parfois je suis scandalisé parce qu'à un certain moment, entre nous, on ne s'entend pas. Mais la mort est là. Ce jour-là, comment on va devenir? Est-ce que Jésus est allé préparer ma place? Il y a des frères qui ne s'entendent pas. Il y a des familles qui sont divisées. Il y a une déstabilisation dans les familles. Oh, c'est malheureux. Bien-aimés dans le Seigneur. La mort est là. Mais la parole de Dieu nous dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Le Seigneur qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimes-tu ton prochain? C'est beau. C'est bien de venir. Ah, on va y vivre. Mais quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta relation avec ton frère? Chacun de nous, quand nous marchons, nous avons le signe de la croix. Parce que notre relation horizontale avec Dieu et notre relation verticale avec notre frère, devant notre sœur. Il y a même des gens qui ont juré, je ne pourrai jamais le don de ma main,
Je ne pourrai jamais causer avec elle. Je ne pourrai jamais du tout. Que Dieu puisse revenir. Mais Dieu, quand il va revenir, c'est pour venir te prendre. Ne pense pas qu'il vient te dire non, ce que tu es en train de faire, c'est bon. Il vient te prendre. Et tu vas directement à l'enfer. Tu vas directement à l'enfer. Même si tu étais quoi, pasteur, diacre, choriste, guillomiste. Mais quand tu n'as pas déjà de relation avec ton frère et que tu n'aimes pas ton frère, combien de fois tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? C'est pas ça? C'est pas ça, mes frères? Amen. 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 Ah oui. Et c'est ça la parole de Dieu nous dit. Tu te fais menteur. Tu n'aimes pas ton frère, mais tu aimes Dieu. J'aime Dieu. Mais tu n'aimes pas ton frère. Tu es un menteur. Ah oui. Essaie de réviser encore ta vie spirituelle ici en France. Beaucoup de frères sont rentrés dans un refroidissement spirituel. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, mais ta relation a été coupée avec Dieu. Rétablis ta relation, reviens sur terre, marche avec Jésus. C'est un ami tendre et fidèle. Il est tendre et fidèle et il nous aime. Oh, c'est beau d'être dans le Seigneur. C'est beau. C'est pour être dans le Seigneur. Quand on est dans le Seigneur, nous avons une paix véritable. Parce qu'il le dit. Il le dit, je serai avec vous tous les jours. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Vous savez, mes frères, Jésus est bon. Jésus. Aujourd'hui, un frère peut te refuser, une soeur peut te refuser, un homme peut te refuser, une femme peut te refuser. Ça va rien te dire. Mais le jour que Jésus va te dire que moi je ne te connais pas, tu vas commencer à pleurer ici jusqu'à Créteil. C'est pas vrai? C'est vrai. C'est pas vrai? Aujourd'hui, mon épouse peut me dire, écoute, papa pasteur, toi et moi, c'est fini. Je dis, yep, c'est fini. Mais quand Jésus me dit, pasteur Thomas, tu es allé prêcher chez la soeur que c'est là, tu es allé prêcher chez pas ici, mais je ne te connais pas. Tu as perdu du temps. C'est grave. C'est grave. Revois ta vie spirituelle. Pendant cette veillée, il y a un message qui est en train de passer pour dire que je suis allé vous préparer une place. Je viendrai vous prendre. Là où je serai, vous y serez. Bienvenue le Seigneur, ta place est réservée, mais vis et marche selon Dieu. Que son nom soit sanctifié et que sa parole soit bénie. Amen. Amen. Je vais demander à des frères et sœurs qui sont de l'église, n'importe quelle église, catholique, évangélique, salutiste, si vous êtes là, on va se lever pour chanter un cantique que maman Fabienne va entonner tout à l'heure et après je vais demander à une personne de prier. Tout le monde va chanter avec moi. Loufoué, ya, ya, nani una lemba na moufoua. Loufoué, ya, ya, nani una lemba na moufoua. Mufwa.
Donc, il y a un moment où je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Amen. Amen. Oh, yeah.
parole de Dieu nous dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. La famille de Maman Ursula, je vous demande de rentrer dans la pensée de Dieu. Rentrer dans les voies de Dieu. Dieu en a décidé comme ça. Avec son conseil, et ça a été comme ça. Et je vous demande, bien-aimés, d'accepter cette pensée de Dieu qui a voulu prendre sa servante. C'est difficile, c'est douloureux. Je sais, vous êtes inconsolable, que le Seigneur vous console. De la même manière qu'il a dit à Marie et Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est ce que je vous dis aussi ce soir. Croyez en Jésus-Christ. Jésus ressuscitera Maman Ursula le jour de la résurrection. Je vais prier pour cette famille. Seigneur notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur notre Dieu, nous te disons grand merci. Parce que tu as été au contrôle. Oh Seigneur notre Dieu, nous avons vu ta main au-dessus de ta servante. Oh Père de gloire, tu nous as dit, je suis ton Dieu. Seigneur notre Dieu, bénis, et viens consoler cette famille. Oh Seigneur notre Dieu, pas à nous, mais gloire te soit rendue. Seigneur notre Dieu, tout ce qui va se faire accompagne cette famille. Le jour de l'enterrement, sois au devant et sois au derrière. Marche avec eux. Agis puissamment. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Amen. Mais ce qui est au chômage, c'est à son abonnement.